l'honorable député de Châteauguay-Lacalle. À l'ordre. Monsieur le Président, permettez-moi quelques mots pour exprimer la profonde tristesse que nous éprouvons à la suite du décès du gendarme Richer Dubuc, le détachement de Champlain dans la division C de la Gendarmerie royale du Canada. Le gendarme Dubuc, 42 ans, a succombé aux blessures subies à la suite d'un accident de voiture le 6 mars en soirée, près de Saint-Bernard-de-la-Colle, dans mon circonscription. Mari, père de 4 enfants et natif de Joliette, le gendarme Dubuc comptait 7 ans avec le service de GRC, s'y étant d'abord joint au Nouveau-Brunswick. Il n'était au détachement de Champlain que depuis le mois de janvier dernier. Nous partageons le deuil de son épouse et 4 enfants. Et nous savons que toute la collectivité policière, surtout au Québec, doit vivre des moments difficiles. Au nom de tous les députés et tous les Canadiens, nous offrons des sincères condoléances à la famille, aux proches et aux collègues du gendarme Dubuc. Nos pensées et nos prières sont avec vous. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on comprend qu'il y a eu des discussions entre les représentants de tous les partis en Chambre et qu'il y a un consentement pour observer un moment de silence en l'honneur de l'agent de la GRC qui a perdu la vie à Saint-Bernard-de-la-Colle au Québec. Merci beaucoup.